flashback, Ridley Scott remonte aux origines d'Alien. Flash Black, Chadwick Boseman part en Vendetta. Flash Forward, Im envoie l'Égypte dans le futur. Flash Bomb, Bébé Rexa retourne le yo-yo. Flash pour le jour, Flash pour la nuit, le buzz de la semaine fait la mise au point. C'est pourquoi, mon pote? Je cherche ma sœur, Bianca. On peut rien pour toi. Non, ne dis pas que c'est elle. Jacob atterrit à Los Angeles en provenance de Cape Town. On vient d'assassiner sa sœur. Sa vengeance sera terrible. Message from the King, c'est la nouvelle péloge du virtuose belge Fabrice Duvels. Bianca en est sortie. Son frère est resté. On n'a aucune idée de ce qu'il est capable de faire. Il ne nous lâchera pas. La photo est superbe, les bas-fonds de Hayley sont filmés comme rarement, le ton renvoie au polar des 70s, mais c'est surtout Chadwick Boseman qui impressionne. Black Panther is beautiful. C'était ma sœur. Vous me connaissez pas. Comment ça va? Chuck Wepner. Enfin si, vous me connaissez, mais vous savez pas que vous me connaissez. Un certain Stallone avait écrit un scénario inspiré de moi. Je me suis dit... Quoi? C'est le vrai Rocky! Vous avez dit que vous me connaissiez. Le vrai Rocky. Tu vois, tout va être différent maintenant, bébé. C'est l'histoire d'un loser qui va tenir 15 rounds contre Mohamed Ali et inspirer à Sylvester Stallone le scénario de Rocky. C'est l'histoire d'un phénix ressuscité après 50 cabanes grâce à l'amour d'une femme. C'est l'histoire du vrai Rocky. Tu es meilleur que tu l'imagines, Chuck Wepner. Outsider parle d'un homme qui était capable de s'infliger de terribles souffrances par amour du public. Il combattait pour ses fans et par soif de reconnaissance. Je n'avais jamais vu un film de boxe qui parlait de ça. On peut avoir été être à nouveau. Outsider raconte la trajectoire de bas en haut et vice-versa d'un type simple avec un cœur gros comme ça. Oh mon Dieu. Faut prendre une photo. Tu t'es vu, on dirait que c'est ta nana. C'est bon, appuie juste sur le bouton. Vous avez tout sacrifié pour être ici, pour faire partie de ce projet. La première colonisation interstellaire à grande échelle. C'est un moment historique. C'est du blé, ça. Quelles sont les chances de trouver de l'agriculture si loin de la Terre? Qui l'a planté? Ça, c'est la question qui tue. Envoyé sur une planète aux allures de Nouvelle-Éden, l'équipage du vaisseau Covenant va découvrir un monde peuplé de créatures du genre hostiles et qui pourrait bien rappeler de furieux souvenirs aux fans de la saga Alien. De xénomorphes en néomorphes, en passant par les facehuggers, zoom sur Alien Covenant. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ridley Scott rempile, l'esthétique made in Giger est en place, le médiocre Prometheus n'est plus qu'un lointain souvenir, Alien Covenant connecte frontalement avec les films d'origine du Alien de Scott au Aliens de James Cameron. Comme il y a 30 ans et plus, les visions du futur flattent la rétine. Laisse-moi sortir! Paris, prêtez ouvre la porte! Je ne peux pas faire ça, on doit verrouiller pour contenir l'infection. C'est beau un réalisateur qui mate dans le rétro avant de parachever son grand œuvre. C'est beau et c'est gore. Le metteur en flip d'Alien aura bientôt 80 balais. Avec Covenant, il boucle la boucle. Jusqu'au prochain volet d'une saga à l'image de ses créatures vedettes, increvable. Bienvenue à Grande Tesoro! Dans la parfaite continuité du manga, One Piece Gold envoie le héros Luffy sur Grande Tesoro, une sorte de Las Vegas sous en fête. Le prétexte à un empilement de combats bien réglé et l'occasion de découvrir de nouveaux personnages hors normes. Quelle carte vas-tu jouer, chapeau de paille? C'est simple, je vais t'éclater! Ce
Ce printemps avait lieu le lancement officiel de Shadow, une solution de streaming qui vous donne accès à un PC virtuel et remis à jour en permanence. C'est un accès à vos jeux et tous vos logiciels de bureautique et d'audiovisuel depuis n'importe quelle plateforme. Démonstration. On va ouvrir une application qu'on a installée sur la télé et j'arrive sur mon ordinateur en fait. Je vais pouvoir prendre une manette, m'asseoir sur mon canapé, même configuration qu'une console, de ma télévision, mais même de n'importe quel device. Encore une fois, mon ordinateur est dans le cloud, il est n'importe où, j'ai pas de latence, ça tombe bien, je vais pouvoir prendre une tablette, n'importe quelle tablette, j'ai une application Shadow sur la tablette. Si j'appuie dessus, sur la télé, il me dit que le flux a été pris, vous avez vu le temps de chargement, donc c'est à peu près immédiat. Voilà, toujours avec une manette en Bluetooth. On imagine que ça marche avec les derniers smartphones. Oh, ça marche, même avec des smartphones pas très très bons, ça marche. Et là, on envoie du 1080 à 60 images par seconde. Là aussi, j'ai envoyé du 1080 à 60 images par seconde. C'est pour ça que je vais avoir une telle qualité sur un smartphone. Mais voilà, je suis en train de jouer sur smartphone, donc ça, c'est une manette Bluetooth avec un support pour smartphone. On a un PC vraiment puissant à disposition sur n'importe quel device. Un PC qui est capable de faire tourner les derniers jeux en 60 images par seconde, voire en 144 images par seconde en Full HD. Pour rappel, il vous en coûtera mensuellement et pour un abonnement annuel, moins qu'un ordinateur de pointe, généralement à 1 000 000 d'euros, à updater tous les 6 mois et obsolète rapidement. L'Égypte fascine. Dès l'Antiquité, les historiens et les philosophes grecs s'intéressent aux merveilles de ce pays. Le plus long fleuve du monde, les pyramides, les momies, les dieux à tête d'animaux. Au XIXe siècle, l'égyptomanie bat son plein. La passion pour le peuple des pharaons ne retombera jamais vraiment. Et ce ne sont pas les Japonais férus de mystère et prompts à s'approprier toutes les cultures qui diront le contraire. Kiun, lui-même vraisemblablement dans une phase égyptienne, succombe au charme de la civilisation du Nil. Après Reine d'Égypte, l'éditeur publie Im pour Imhotep, un prêtre et un architecte divinisé qui va réformer la religion vers 2700 avant Jésus-Christ. Le personnage historique sert ici de chasseur de démons dans un manga clairement destiné au jeune public. Un jeune public qui profitera d'un folklore égyptien fantasmé pour un pur divertissement. Et qui sait, peut-être cela poussera ce public à se tourner vers l'histoire si dense de l'Égypte antique. On se quitte avec les accords soleil de I Got You, le single de Bébé Rexha joué des centaines de millions de fois sur les plateformes d'écoute à la demande. La blonde platine Made in Brooklyn viendra secouer le yo-yo à Paris à la mi-mai. À la setlist, l'intégralité des morceaux des EP All Your Fault 1 et 2, des chèques de Bouty en guise de chorégraphie et des gens heureux d'être là. Et d'ici là, buzzez bien.